Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo. Et le Padre. On se retrouve aujourd'hui pour Banks Beats. Et ici il est en collab avec Lelo. Ouh. C'est incroyable, un nouveau clip de Lelo quand même. Je n'en reviens pas. Merci Banks Beats. Et du coup le titre c'est Dennis Rodman. Tu suis pas le basket hein, toi? Non. Non, moi non plus, pas trop. Bon bref, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Je vois le temps passer, je me dis oh que faut que je sois mal. À la base, j'étais toi, je n'ai pas de soucis. Tellement dark. Oui, très space. Ouais, mais c'est Lelo. Hein. Ouais, tout à fait, mais ça me plaît bien, cette ambiance. Quoi. C'est vraiment kiffant. Et c'est quand tu réécoutes un morceau de Lelo que tu te dis, qu'est-ce qui va manquer? C'est envoûtant. Vraiment, il manque. Il manque dans ce game. On attend impatiemment le prochain album. D'ailleurs, à son dernier show, il a dit, voilà, ceci est mon dernier show. Mais vous savez bien, après mon dernier show, si je disparais, c'est que je suis sur l'album, quoi. Donc d'office là, il va s'y mettre. Il n'est pas mort quoi. Non. Il nous prépare une dinguerie, il l'a dit. Et voilà, on n'en doute pas. Rien qu'à voir ça, on sait que ça va être lourd. Ici bon, on voit que c'est juste une collaboration avec un beatmaker qui à mon avis a sorti sa tape avec plusieurs artistes quoi. Mais si déjà rien qu'un morceau qui fait pour un beatmaker est lourd comme ça, et que ça va être un vrai son tu vois, avec le nouvel album. Le temps passé, je me dis oh que faut que je sois. À la base, j'étais toi, ni moi, j'étais pas comme ça. Je me sens bizarre, je me sens seul comme Dennis Rodman. J'ai craché sur mon blaze. Donc faut que tu fuck ta mi, fuck ta main, fuck tes emblèmes. C'est un peu de leur faute, j'ai grave la haine, j'fais pas semblant. Sur la fiche de match tous les jours de l'année. J'suis sur le terrain pour les choquer, fuis-moi moi. J'vois le temps passer, j'me dis oh que faut que je laisse moi. À la base j'étais toi, ni moi j'étais pas comme ça. Je me sens bizarre, je me sens seul comme Dennis Rodman. Je me sens si seul. Quel spectacle. Il y a un de ces univers quand même. Ouais, c'est vraiment de... ça devient de l'art, hein, vraiment. Mais bien sûr. T'es tellement immersé dans ce truc là. Mais c'est inquiétant, tu vois, parce que moi quand je regarde ça, j'ai de l'angoisse. Quand j'entends ça, ces sonorités là, avec sa voix d'un peu démoniaque, ça me donne de l'anxiété, tu vois. Mais j'aime bien. C'est la seule fois où j'aime bien avoir de l'anxiété. Quand je regarde ces clips. C'est inimitable en fait, c'est inimitable. Oui, c'est incroyable.
aussi bien du morceau que de la vidéo. Hein. C'est vrai, c'est vraiment du parfait. Quoi, mais tout est hyper cohérent, quoi. Ouais, tout à fait. Tout colle magnifiquement bien. Il a vraiment son monde à lui. Hein. Ouais, il faut qu'il reste là-dedans, s'il vous plaît. Truc oui, bien sombre, là, avec des effets spéciaux. Des trucs de ce sort de je ne sais où, là. Des requins qui tournent en rond dans le ciel. Mon Dieu, donnez-moi encore ça. Ouais, parce que quand tu vois ça, il y a certains autres rappeurs qui sont complètement dépassés. Mais bien sûr, franchement, ici, il nous emporte vraiment dans un univers. Même le passage en dessin, qu'est-ce que c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment, c'est incroyable. Je sais pas comment ils font, tu vois, si c'est juste un filtre qui rajoute par-dessus, ou bien vraiment s'ils retravaillent toute la scène au complet. On ne sait pas, hein. Les effets maintenant, c'est vrai que tout est faisable, hein, mais c'est vrai quand même d'avoir l'idée malgré tout, hein, je trouve ça vraiment génial. Ce qui conclura la vidéo sur Banks Beats et Lelo. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao. Je vois le temps passer, je me dis ok, faut que je laisse moi.